vous êtes compté comme si vous jouiez. Du coup, je parlais à la troisième personne du coup, comme si vous jouez avec moi. Comme si on jouait à deux, en fait. Bizarre, c'est vrai, c'est des games. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hop. Ah, mort de fromage. Enfin, non, pas mort de fromage, parce que le fromage, c'est la vie, mais... Hop. Sam, t'es mort. Alors, ah non, le fromage, le frocher. Yotta! Imaginez dans la vraie vie des rochers de fromage comme ça. Est-ce que les poils déclenchent le bouton? Non. Et la lune. Ouais, la lune, quand elle a un socle comme ça, c'est à dire qu'elle déclenche quelque chose après. Sous les frochets. Sous les frochets tropiques. La meuf, c'est quelque chose de magique. Plongeons dans la marmite au fruneau. Du fruneau. Oh. Yatta. Bon, je l'ai loupé. J'ai loupé la tomate surprise. Non, et ça va rien là, ces gars-là. Les gars qui sont dans les trucs, ils sont géniaux. Bouge trop fort. J'ai vu un flambeau, je me suis dit, attends. La flamme dessus, puis il y avait des... Normalement, la lanterne de Lilo. Dégage, toi. Hop. Hé, la tomate. Bon, je suis loupé. Ah, d'accord. Tomate. Le tomate alien. Tomate. Voilà. Un dent on peut. Ah mais il est mort pour de bon du coup. Okay, lui. Yatta. Yatta. Tchoum. Désolé. C'est d'un coup j'ai pas eu le temps de me stopper. Mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment stopper un éternel. Ah, vous avez 4 heures. D'ailleurs, c'est un peu surcoté la blague de tu dis un truc et puis tu mets tu dis et après vous avez 4 heures. C'est un peu surcoté, je trouve, comme blague. Hein. Ah. Tomate. Et elle a une secrète. Eh hey. Elle a une secrète, voilà. En traversant l'étang de lave. Et tomate. Hop. Putain, mais le chemin de lave, quoi, c'est incroyable. Ouf, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, alors les pièces normales, on s'en fout, on va pas les suicider pour ça. Yatta, j'ai loupé. J'ai loupé la plateforme. Hop. Yatta, yatta. Est-ce que Yatta c'est surcoté ou pas?
Hop. 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 Tac. Point au bout du sentier de lave. Ah, il faut casser ce crochet. Ah, l'enculé! J'ai une petite énorme. Hein. Rio. Tu me retires un point de vie, je te contrôle ton corps. De la vie, de la vie. Oh, un radis doré, je suppose. Bien évidemment. Il va falloir ramener dans la soupe. Hop. Putain, mais du coup j'ai envie de dire yatache avant que je saute. Yatou. Yati. Yato. Putain, mais le chemin de l'enfer là. On va accrocher là. Le fromage, je suppose. Hop, vite. Alors, j'ai le radis qui spawn. Ta mère en slip. Putain. Oh là, le fils de pute là, que je voulais que je lâche son. Hop. Tiens. Le bâtard était mort là. Hop. Et là, avant de casser tout le fromage là. J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Hop. Ok, c'est la suite. Hop, 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 hop. Tiens, la mort. Enflure. Hop. I can do it. I want to put it on the marmite. Oh, sale pute. Allez, meurs. Putain de merde. Que je récupère encore une fois l'autre enculé de merde. Putain, allez vas-y, suicide toi tu me pètes les couilles Mario. T'es qu'un connard. Connard. Ah. Hop, hop. Hop, non, on se décale pour pas prendre un point de vie encore comme merde. Non, on m'arrase. Hop. Hop, c'est ton affaire, il est pas mort. Il va bientôt mourir, ne t'inquiète pas. Hop. 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 Toc, toc, toc. C'est lui le tomate. Bon là, il va falloir niquer du crochet. Hop. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais je l'ai fait. Allez, rentre dedans par contre, normalement. Hop là, deuxième lune. C'est-il pas parfait ça? Waouh! Ah, c'est le navet 3. J'ai passé le navet 2 apparemment. Je n'ai pas trop fait le navet numéro 2. Truc de lave. Quoi? Viens là. C'est quoi ça?
On peut pas passer là. Hein, pourquoi? Bon, on se retape le chemin. Hop. Ouais, c'est bien. On doit passer par là pour récupérer les pièces. Les pièces, pardon. Les pièces. Pièce et pièce, c'est pas la même chose. Je sais plus dans quel épisode je l'ai mis, mais sinon que c'est dans un... Si c'est dans un épisode de Mario Bis. Alors, je vous explique ici. Les pièces, c'est les jaunes, les pièces, c'est les violettes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le spécial. Ah si, avant de partir, je voulais explorer tout le bordel là-bas. Non, la pute. Mario, tu n'es qu'une petite pute. Ah. Putain, hop. Voilà. J'ai loupé. Tac. Bon. Il y a masque de pièce, c'est bon ça. Ah, parfait. Ensuite, ça là. Ok. Hey! Point, course note dans la lave. Salut. Tout ce crâne, toutes ces craquelures sur le sol, ça fait négligé. J'avais dit que j'allais faire une bonne action en les appelant de sang, mais c'est trop dangereux et j'ai peur d'y laisser une fourche. Je laisse ça à quelqu'un plus courageux. Ok. Voilà. De les craquelures du sol. Là aussi. Saleté de poivron. Hein, ça va où ça? Royaume champignon. Ah oui, le château de Peach. Hop, on passe. Du coup, on va avoir un petit teasing du royaume champignon. Royaume champignon. C'est trop bien. Charmant ce bled, hein. Ce bled. Maison de Yoshi. On a la maison de Yoshi. Yoshi l'a mis dans un arbre. Une étoile. Oh, trop bien. Ici, c'est pas des lunes, c'est des étoiles. Je peux monter là. Peut-être en grimpant sur l'arbre, tout simplement. Ouais. Trop bien, ici c'est des étoiles comme dans les vrais Mario. Zut, j'ai fait n'importe quoi. On va monter par là. Eh ben si. Ah, avec la musique de Mario 64. J'adore. C'est trop bien. Oh, je sens que je vais... Alors, les lignes de puissance ont une forme d'étoile ici. Oh là là. Puis c'est bien la musique de Mario 64. Alors là, vous êtes comme moi dans ce monde-là. Vous êtes nostalgique de ouf. Oh là là, mais c'est le même monde. Ça, c'est vraiment Mario 64, là. Parce qu'il y a les bouts à l'intérieur. Et là... Oh, j'ai trop envie d'y aller. Par contre, ça, je crois que c'était pas là. Il y a bien le pont et tout. Mais ça m'a l'air un petit peu plus grand, en fait. Par exemple, vous prenez le monde de Mario 64, vous l'étirez. J'ai l'impression que ça fait ça, en fait. Normalement, il y a le machin. Là, il y a les douves, normalement, là-bas. Oh là là, c'est trop bien. Comment je fais pour quitter ça, déjà? J'appuie. Ah, voilà. Oh, ça va être génial. Un truc, j'ai trop hâte du coup. Oh là là, ça m'a hype de ouf. Oh là là.
Oh, l'étoile, puis le son de Mario 64. Franchement, c'est génial.